Coucou tout le monde, c'est Tuto Pratics. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment en fait désactiver la défragmentation automatique au démarrage de Windows. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une défragmentation qui se fait au démarrage de Windows. Donc voilà, ce qui prend en fait pas mal de... Enfin, ce qui optimise pas votre PC, c'est-à-dire ce qui va ralentir votre PC au démarrage. Donc voilà, donc on va aussi accélérer le démarrage en même temps avec le registre, en modifiant le registre bien entendu. Et voilà, donc ne pas faire d'erreur, surtout pas parce que le registre ça pardonne pas si vous faites des erreurs. Hein. Donc c'est tout. Donc je précise que cette manipulation est que sur Windows Vista et Windows 7, pas Windows 8. Voilà, on peut le faire sur Windows 8, mais voilà, mais c'est mieux de pas le faire. Alors, donc pour commencer, vous allez sur démarrer. Ici, vous allez taper Regedit. Vous cliquez dessus. Vous faites oui. Ici, alors là, j'ai modifié quelques trucs. Donc, hop. Vous allez sur Kylocal Machine. Vous faites dérouler. Vous allez sur Software. Vous faites dérouler. Ensuite, vous allez sur Microsoft. Vous faites dérouler aussi, vous allez trouver DFRG, donc qui veut dire défrag, voilà, DFRG, donc vous cliquez dessus, vous faites dérouler, vous allez sur Boot Optimize Fonctionne. Ensuite, donc là ça veut tout dire, hein, optimiser le démarrage, la fonction du démarrage. Alors là, vous aurez Optimize Complète, donc moi c'était déjà sur No. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était déjà configuré sur nous. Mais si c'est pas. Alors, oui, donc je précise que si vous avez Windows 7 Familial Premium, je crois que ce sera déjà configuré sur nous. Vous cherchez quand même, mais je crois que ce sera déjà sur nous. Si vous avez une version ultérieure, comme Windows 7 Professionnel ou Intégral, là, je crois que ce sera configuré sur Yes. Donc moi, là, il n'y a pas longtemps, j'ai entré une clé de mise à niveau sur Windows Professionnel et j'ai vu que du coup, c'était configuré sur Yes et Familial Premium sur No. Donc, du coup, j'ai double-cliqué et vous mettez sur No. Faites OK et vous redémarrez votre PC. Moi, c'est déjà fait, donc je n'ai pas la peine. Enfin, c'est pas la peine que je le fasse. Voilà, bon, c'était tout. Donc, ça vous fera gagner 2 secondes au démarrage. Voilà. Donc surtout, je répète, pas faire d'erreur sur le registre. Bien faire attention parce qu'on peut désactiver des trucs qui peuvent vous créer un petit plus screen au démarrage. Voilà, donc faire très attention à ce que vous faites sur les Regedit. Donc si je fais ça, si je fais ce tutoriel, c'est-à-dire que c'est approuvé, hein, c'est-à-dire que c'est conseillé, voilà, c'est pas mal de gens le font. Donc ça risque rien. Voilà, et j'ai vu ça sur des sites internet comme PC Astuces. .com je crois ou .fr, je sais plus. Voilà, bon écoutez, je vous dis à plus tard dans un prochain tutoriel. Likez cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, puis voilà, ça fera toujours plaisir. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis ciao les gens et bonne journée. Voilà, comme j'ai déjà dit, allez, à plus tard.